Salut les amis, allez, jour 2 à Equitalion. Aujourd'hui, on retrouve Minipat, que je suis allé chercher à la gare en fait tout à l'heure. On va essayer de la retrouver quelque part dans les allées. On va essayer de papoter avec elle. On y va. Ce qui est marrant dès qu'on arrive, c'est que ça sent cheval tout de suite. C'est vraiment le genre de choses qui mettent bonne humeur. Et là, j'arrive à la carrière de détente de jumping, de CSO, pardon. Wouhou ! On va aller dans la tribune CSO. C'est joli ! Waouh ! Quelques vidéos de CSO. Mince, on pourrait partir. T'es Western, aujourd'hui sur la carrière de tri de bétail d'hier. C'est pas un petit macart mémoire, heureusement. Alors là, ils sont en train de préparer l'arène pour démonstration de trick riding. Au vu que j'allais leur demander s'ils ont un compte Instagram, faire du bourré avec ça. Je pensais pas tomber sur du trick riding aujourd'hui, comme une association apparemment. Ils ont rencontré des gens en fait de cette association qui s'appelle Power and Pride et je leur ai proposé de faire un réel pour eux. Au revoir, bye. Allez, c'est ici à côté hop, de la reine et là tout ce qu'on s'est ramassé. Je l'ai trouvé. Minipat, qu'est-ce que tu fais sur le salon aujourd'hui? Eh bien, je suis là avec Highlife. Highlife, c'est une plateforme dédiée entièrement au bien-être du cheval avec un Doctolib du cheval, un blog avec des artistes, des articles, des professionnels. Alain Souchon. Des professionnels de la santé du cheval. D'accord. Et puis une marketplace avec plein de marques super chouettes. Headplate, c'est Highlife Shop. Ouais. Le Doctolib, c'est Highlife Care. Ouais. Et le blog, c'est Highlife News. Le tout sur highlife.fr. Dans les produits, on peut trouver par exemple Allo Discare, ouais. Natural Innov, Nouveau Stable. D'accord. Et plein d'autres, il faut aller voir. Regarde, vous mettez comme ça, plus personne voit Emily. Plus de 1m20, personne ne me voit. Et là, en fait, on est dans quel carré? Là, on est dans le carré Western, où on fait du Western, de la discipline de Western avec des vaches, de la discipline de Western avec des barres au sol, de la discipline de Western avec des bidons. Voilà, donc, toutes voilà. Les connaissances. Alors, en termes de Western. Ça s'appelle comment? Je vais voir si tu as retenu le nom de cette discipline. Oh non, c'est le truc avec... C'est du trail. Une vache, c'est du trail. Ah, c'est vache, la même discipline que les barres au sol. Bah oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ici, il y a une petite vache là. Il y a une fausse vache. Elle est où? Elle est là, la vache. Là, là-dessus. Est-ce qu'on essaie d'aller retrouver Ponycorn à un moment quand même?
un essai. Ce serait bien parce que j'ai toujours pas vu moi. Allez, chez Evans ou un truc dans le genre, je sais plus exactement. Exactement. J'ai envoyé un message, mais. Un opposé du salon. Alors, si jamais on la trouve, on va faire une vidéo avec elle. Ouais. Des grandes retrouvailles. Donc, vous n'avez jamais trouvé, mais. Pourtant, on n'habite pas loin, alors se voir. Même pas loin. C'est quand même... On habite à moins d'une heure l'une de l'autre. Il fallait aller à Lyon pour se voir. Bravo. Exactement. Tu peux me faire un salut, c'est Millipat. 210 de 201 et nous terminons la queue. Salut, c'est Millipat. Merci. Elle fait pas de photos avec les gens avant 16h. Oh. Elle va nous voir et elle va dire oh, c'est eux. Émilie, on l'a trouvé? On l'a trouvé, elle est droit devant. Forcément, elle est au bar. Allez, viens, on va la voir. J'ai eu un plus grand sourire que toi. Hein. Pourquoi elle a eu un plus grand sourire que moi? C'est dégueulasse, ça se fait pas. Tu veux une bière? Non, merci. Sucre? Non, je vais prendre une carte. Salut! Salut! Ça fait trop plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Bah toi aussi. Je vous laisse. On est en train de filmer en plus. Ouais, bah oui. Tu sais ce que je disais, on habite à moins d'une heure l'une de l'autre et faut qu'on se rencontre à Lyon. Mais c'est clair. Mais c'est clair, à l'autre bout de la France, tu sais. C'est ouf. Je suis trop contente de te rencontrer. Mais toi, je pensais que j'étais plus grande aussi. C'est la même taille. Il y a des trucs. C'est bon, on n'a rien gagné. Je suis dégoûtée. Jouer? Non. C'est prenez soin de vous, prenez soin de vous. C'est quoi ce que je dis? C'est prends soin de toi, prenez soin de vous, prenez soin d'eux. Et je vous dis... À bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin d'eux, mais sans trop les gaver. Et je vous dis à bientôt. Allez, on arrive sur l'événement. Three Men to Gates. Il y a Théo qui est en train de préparer là-bas. C'est quand même vachement blindé, quoi. Si vous arrivez à voir un peu partout là, la carrière de défense. Bon bah Théo il m'a collé là, je me retrouve au milieu. Je suis vraiment au centre, hein, si vous voyez. Salut Théo, ça va? Ça va et toi? Ça va, je te remercie. Alors c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui c'est du Three Men to Gate qui est organisé là par notre association La Fête avec Italion. Donc c'est une discipline avec du bétail toujours, tu vois les vaches ont des numéros. Ouais. Et en fait il faut faire passer, en fait il y a deux portes, on va voir de chaque côté. Une porte là et une porte là-bas. Voilà. Okay. Les cavaliers ils vont trier, par exemple on va leur donner un numéro. Ouais. Quand ils trient une vache d'un côté, par exemple la 5 du côté droit, ouais. Après la 6 du côté gauche. D'accord. 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. D'accord. Le plus rapidement possible. Ils sont 3 cavaliers, c'est ça? 3 cavaliers. Okay. Il y a toujours 2 cavaliers, un à chaque porte et un qui trie. Et ils alternent après comme ça. Vous attendez vraiment pas à me retrouver au centre ici? Merci. En immersion, après tu peux aller voir les cavaliers aussi si tu veux. Je veux? Ah ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Je vais aller t'en présenter si tu veux. Ça marche. Allez, on va voir quelques cavaliers ensemble. Ah, Stéphane, c'est le président de La Fête là. Bonjour. Voilà. Bonjour. Ah, alors Stéphane, le président. C'est un blogueur de l'équitation, voilà, qui est très suivi sur les réseaux. Voilà. Et donc Stéphane, c'est le président de notre association. D'accord. Qui gère tout le travail du bétail. Ok, il fait une équipe avec combien de personnes là? D'accord. Voilà. Allez, ça va être festif là, on s'amuse quand même. Ah, on s'amuse, bien. C'est pas du dressage. Je vais me faire des ennemis. Combien à peu près de cavaliers là aujourd'hui? Là, 70 cavaliers à peu près. Là. 70 cavaliers, plus ceux qui se préparent là-bas. D'autres cavaliers? Allez. Tiens, mais tu peux interviewer. En plus, elle est très suivie aussi sur les réseaux. J'interview. Voilà, Travel Pro Girl. Salut. Je deviens youtubeur et je viens de photographe. Merci, dis-le. Okay. Toi, tu es? Moi, je suis Travel Pro Girl sur les réseaux sociaux. Bon, c'est Léa sinon. On m'a parlé de toi hier. On y va, c'est Capitaine qui m'a parlé de toi. Ah, c'est possible. Apparemment, t'es balèze. Il paraît que je suis balèze à quoi? À cheval ou dans le business? Parce que ça dépend. Business, d'accord. À cheval. À cheval, ça va, je me débrouille. C'est la jument qui est cool. La vraie star, c'est là. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Boone. Elle s'appelle Boone. T'aimes pas trop les interviews là, tu vois. Elle est en train de focus sur gagner et tout ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ton lien Instagram. Avec plaisir. Dans la perspective, ça marche. Je travel tout cas. Avec allez, plaisir. Travel. Ça a commencé. On va se mettre là-bas pour. Voilà les gens qui travaillent. On va retrouver Capu et Nathan. C'est chaud?
Tu passes avec qui? Avec le Capu et la Torsion. D'accord, bah je vous filme. Impression. Eh ben, c'est sympa, la première fois, mais 9 vaches en tout là. Le temps est passé. Mince. Presque les 10 vaches. Alors là, on finit les open, mais moi j'en fais plus, et après on passe en limité. Enfin, je passe en limité. D'accord, ça marche. Ok, allez, j'ai interviewé Capu. Capu, interview. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Eh ben, c'était chouette. Ouais. C'est vif. On t'entendait bien. Hein. C'est vrai. Tu communiques bien avec les vaches, hein. Ouais. Ils comprennent. Hein. Et toi, t'en as c'est quand le prochain cours? Bah, juste après, je sais pas, dans les premiers, donc d'ici peut-être 15 équipes. Ok, ça marche, ouais, bah, c'est bientôt. Ouais. Allez, essayez de suivre le go de Léa, je sais pas où elle est. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a bien plu. Mais restez avec moi parce que c'est pas encore fini pour le reel, le short ou le TikTok du Three Men to Gates que j'ai filmé, parce que ça vaut vraiment le coup de la regarder celle-là. J'adore toutes mes vidéos, hein, mais celle-là, je l'aime particulièrement. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est toute l'ambiance durant le shorting. Et là, vous verrez mon montage, ce que je vois à mes clients, en fait. Et j'en suis assez fier. J'espère très sincèrement que ça vous a donné envie d'aller visiter le salon Ekita. Moi, j'y serai. Alors, venez me retrouver. Il y a tellement de monde à rencontrer, de disciplines, de choses à découvrir. J'ai pu rencontrer Millipat, Ponycorn, Fautra, Randall's Bison. Et je sais que j'en ai loupé un paquet. Donc, l'année prochaine, venez nous retrouver sur Ekita Lyon. Moi, en tout cas, j'y serai et je serai super content de vous rencontrer. Pour le prochain numéro, je vous emmène au Grand Parquet de Fontainebleau. J'ai pu interviewer la Cédric Keenoton, l'éperon. J'ai pu filmer Julien Anquetin, Charlotte Fry. Je pense que là, je suis un peu donné. Il faut vraiment que vous voyez ça. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite en collaboration avec Margot Damonville sur les coulisses de sa préparation d'un concours au Haras Jardy. Et c'est ici, ou plutôt là. Je suis en effet miroir donc je sais pas vraiment où c'est, mais je pense que c'est plutôt là. Hein. Et comme d'hab, lâchez-moi des commentaires, des likes et abonnez-vous. Et venez me retrouver sur mes différentes plateformes. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Salut!